Mais je crois que t'as fait, t'as entendu ma tête, ma tête. Ok, merci. Allez, au revoir. Dans 30 minutes, on passe. Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes en pleine désorganisation totale, on a une conférence dans absolument 30 minutes. Les slides sont pas faites et tout, comme à ma grande habitude. Mais ça va être très très cool, on t'amène avec nous dans ce petit week-end lyonnais au salon du fitness. Lyonnais, enjoy. Wouh. Hop, please. Les mauvais élèves qui révisent en contrôle. Pour rendre cette conférence légèrement plus intéressante, intrigante et plus fun, nous allons nous donner un petit défi qui est de tout simplement placer des mots dans cette conférence. C'est pas encore, si toi derrière ta caméra tu veux nous les donner, fais-toi plaisir. Allez. Oh là là, je vais chercher des mots de merde sur internet. Attends, non, mais... je fais ce que je veux par contre. Du coup, celui qui place pas un mot, c'est 50 balles. Non, non, sois cool pour les trois. Tu pourras mettre des petites cornes là. Les mots les plus moches, ok, ça part. Oh, il est très très dur. Armand, glaire. Glaire. Glaire, ça va, tu tousses un coup, c'est bon. Non, c'est hardcore. Non, 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 change de mot, change de mot. Non. C'est le premier jour, donc c'est très dark, c'est B2B, donc business to business. Il n'y a pas trop de gens de la Timbaliz ou de la Phoenix Army, typiquement. C'est demain le meet-up. Toi qui regardes cette vidéo, ce sera dans quelques minutes, mais voilà. On s'attendait à voir genre un. Comme le salon de Paris, mais du coup, c'est un peu plus. Ok, Tristan. Tu vas placer le mot cassoulet. Cassoulet. Toi, tu vas placer le mot glaire, c'est décidé. Donc, on a fait de la pub pour une entreprise de cassoulet. Glaire, tu glaire, remplace. Non, mais t'es silicone. Dis-moi stop, mais là, c'est vraiment le destin, frère. Dis-moi stop. Stop. Rebelote. Oh, allez. C'est allez, pas allez, si bien, rebelote. Non. Non. Moi, rebelote, j'accepte. Rebelote et un autre. Rebelote, okay. Alors pas deux mots, parce que rebelote. Deux mots, parce que c'est le king. Hop. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tatillon. Tatillon. On y va. Non, mais c'est trop facile. Il peut même lui dire d'être. Alors tu places ornithorynque à la place de glaire. Voilà. Ornithorynque ou glaire, tu choisis. Ornithorynque ou glaire. Tu m'en fous. Cassoulet. Moi j'ai cassoulet. Ok, vous avez le droit de dire maintenant dans les commentaires qui va failler, qui va pas dire son mot. Et celui qui perd en l'occurrence, il payera le reste au soir. Mais c'est ça, ou on a fait de la pub pour une boîte de cassoulet. Voilà. Par contre, on travaille avec des ornithorynques comme vous l'avez. Tu mettrais un bif au montage. Allez, démerdez-vous, moi je veux pas. Chalumeau, c'est assez compliqué. Chalumeau. Ah ouais, chalumeau. Allez, chalumeau. Chalumeau. Okay. Chalumeau. Ok. Chalumeau, ornithorynque et cassoulet, ça va. Et ornithorynque, vous êtes chaud pour qu'on leur dise au début, genre. Non, y'a rien compris, ça. Juste. Ils doivent trouver des mots qu'on doit me placer. Mais non, mais c'est trop facile. C'est eux qui jouent, c'est eux. Mais comme ça, ils jouent aussi. Ou alors, ici, on leur floutera les trucs que nous on doit dire. Et ils doivent trouver les mots qu'on doit placer. On leur bipera les mots. Mais non, mais ils vont trouver. C'est ornithorynque, frère. Allez, bye. Les gars, un ornithorynque dans les coms, genre ça sort d'où? À la base, c'est un croisement, c'est un vrai truc qui existe. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que je crois que c'est super intelligent, je crois que ça fait plein de trucs. Hein. Ouais, stylé, mais moi par contre, je suis pas assez intelligent pour le placer. Si, je crois que c'est super important pour l'écosystème de la vie. Will, qu'est-ce que t'en penses? Will, t-shirt Beyond Fitness. Ça me dépasse. Si vous regardez cette vidéo maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, on a sorti le programme Beyond Fitness il y a une semaine. C'est juste génial. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on bosse dessus. Et ben là, il y a beaucoup de gens qui sont dessus actuellement. Vous verrez dans quelques semaines l'évolution de tous ces gens. Ça va être incroyable. Si vous voulez le programme, link in bio. On y va pas du tout. Mon prof qui m'a fait souffrir pendant 3 ans. Monsieur Ress, éditeur de la Bible de la préparation physique. Juste là. Un autographe, c'est possible. Bonjour. Je te dis, je prends des mucunes. Tu connais ce gars? Je sais pas qui c'est. Tu connais pas un peu? Il ressemble à ce mec là-bas. Je me suis perdu. Bah non, je trouve que...
C'est comme ça. Franchement, il est pas très beau ce gars. Tu l'as déjà vu en vrai? Bah ouais, mais je trouve que tu vois, il rend mieux en vidéo. Il fait le beau dans des vidéos. Ouais, et tu sur vois. Tu regardes la race. On parle. Regarde-le, regarde-le. Non. Bon, bah messieurs, dames, bien bonjour. J'espère que ça va. On va vous parler un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux, acquisition, visibilité. Moi, il y a 7 ans, j'ai commencé à m'inscrire tout simplement sur les réseaux sociaux et j'ai vu, je pense comme vous tous, des gros buzz à des moments donnés. Peut-être que certains ont vu l'œuf là actuellement qui a fait quasiment 50 millions de j'aime sur Instagram. C'est en essayant de comprendre, en essayant de reproduire ces buzz là que j'ai fait beaucoup de tests et que j'ai fini par apprendre comment être visible tout simplement sur Internet. Et de mon côté, bah, moi je suis un étudiant à la base qui a toujours pas validé son deux métiers de la forme avec le professeur qui est juste au fond de la salle. Officieusement, ça fait maintenant 2 ans que je bosse principalement dans les réseaux sociaux. Bah, je suis manager de Beyond, en fait, on gère des influenceurs. Il faut que les entreprises s'intéressent de plus en plus aux influenceurs et à tout ce milieu-là. Et vu que vous en avez un à côté, je vais le laisser parler directement de son expérience avec les marques. Les influenceurs, en fait, c'est juste des mannequins 2.0. À l'époque, quand la part voulait faire une campagne de pub, ils payaient des mannequins. Les gars, ils étaient juste... Enfin, les gars. Femmes, hommes étaient juste entre guillemets beaux et ils étaient sur les panneaux d'affichage et c'était cool. Maintenant cette ère elle a un petit peu révolue et maintenant on paye entre guillemets les mannequins 2.0, donc les influenceurs, typiquement des gens comme moi, comme je dis, et vous optimisez tout simplement ce que vous investissez sur eux parce que derrière ils ont une vraie audience. Que quelqu'un qui est très connu pour, admettons, de l'humour, il va pas forcément pouvoir mettre en avant Audi, c'est la chose la plus logique, et quelqu'un qui est très connu pour ses photos de qualité avec des vêtements de luxe, il va pas forcément mettre en avant le tacos du coin parce que ça va juste pas ensemble. On a tous des secteurs différents. Il y en a c'est le fitness, il y en a c'est le luxe, il y en a c'est le cassoulet, il y en a c'est la bouffe. Il y a vraiment voilà, plein de secteurs différents. En fait actuellement les personnes qui s'occupent des campagnes influenceurs, c'est des personnes qui sont souvent très âgées. Ils ont lu beaucoup d'articles qui ont été postés par des personnes sur internet qui n'ont pas forcément de compétences, un peu des ornithorynques de leur million, c'est pas vraiment d'où ils viennent. Et je vais pouvoir dire aujourd'hui, vu qu'on est en comité assez réduit, à la base j'avais pas prévu de dire ça, mais je vais vous dire ce qui fonctionne maintenant, comme ça vous allez savoir ce qui marche maintenant. Sur Instagram, pour faire monter une publi, bah, tu l'as très justement dit, actuellement, ce qui marche, c'est d'avoir... On peut avoir des produits directement, ou alors on peut avoir un programme comme ce qu'on a monté avec tout ce qu'on a fait depuis le début. Et là, je pense que vous rebondirez juste après, je vous relancerai le chalumeau juste après, pour être vraiment à fond. Messieurs, dames, merci, vous êtes libérés. J'ai dû garder le mot glaire, je le savais que t'étais glaire. J'ai géré mon cassoulet, t'as le droit de me le dire now dans les commentaires. Là, j'ai posé un ornithorynque dans le plus grand des calmes aussi. Avec la comparaison, le contexte. La comparaison là, avec les jeux de 40 ans en marketing. On va prendre un petit café, on risque d'aller s'entraîner après. On va teaser un petit peu ce qu'il y a dans le programme, donc si t'es intéressé pour faire du gains, pour prendre du muscle et tout ça, reste juste après parce que le training devrait envoyer ça. Ladies and gentlemen, welcome to my home, into my house, into my heart. Je vais pas donner le nom de la salle parce qu'il y a beaucoup de hate sur YouTube, contrairement à Instagram. Instagram, normalement, je le mets. On est du coup chez moi et il y a 2, 3, 4 personnes qui sont sur le programme dans cette salle actuellement. Je t'ai parlé du programme Beyond Fitness tout à l'heure. On va aller prendre un feedback en direct. C'était pas prévu que je filme, mais il y a la caméra, il y a un pseudo-cadreur. Donc on va aller prendre un feedback en direct et tu verras par toi-même la puissance du programme. Demoiselle Justine Ollier. Padawan, Beyond Fitness week 2, cycle 2, parce qu'elle a fait 6 semaines, elle est revenue au début, et là dans la deuxième semaine, bon, vas-y, explique-leur juste les gains, moi je me casse, je vais m'échauffer. Écoutez, on va mettre 90 kg soulevé de terre, j'en passais pas une il y a 2 mois. Voilà, je pense que ça veut juste dire tout en fait. Donc écoute, on va continuer à te faire du gains nous. On part sur notre petit training, il y a un autre jeune homme là-bas qui est sur le programme, on ira lui demander son feedback juste après. Enjoy. Mr. Will, how you feel? Ça va. Ça va monter un peu là, c'est cool. Ça part. Normalement là, à 10h15, j'ai 3 voire 4 repas dans le sang. Genre je m'entraîne tous les jours à cette heure et normalement ça va super bien. Et là, j'ai rien mangé de vraiment solide depuis 15h. Et clairement, c'est la deuxième crise d'hypo que je fais de l'année. Ça va, c'est le début, c'est tranquille, mais j'ai la tête qui tourne, j'ai froid, c'est pour ça que je me suis rhabillé. Et je suis allé demander des sucres à Mr. Anto. Merci frérot. Voilà frérot. Allez,
on se ravitaille un peu. Alors, je sais que normalement ça va passer vite, d'ici 5-10 minutes, avec ça, ça devrait aller. Mais c'est juste horrible de pas s'entraîner sur ses habitudes. Enfin, quand t'es habitué à ta routine, boah, c'est dur d'en sortir. Et là, en fait, c'est la pression contre le sol qui fait que là, t'es droit, y a aucun souci. Et qu'en fait, t'as pas ce... Okay. Ça, ou là par exemple je contrôle rien, là je me ferai. Étant donné mon état hypoglycémien, j'ai pas pu enregistrer la conversation à propos du programme Beyond, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Alors déjà la nuance qui est bien, c'est que t'as dit qu'il vaut mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun interdit, par contre il y a toujours un ratio risque-bénéfice. Et puis si t'as plus d'avantages à prendre autre chose, ensuite est-ce que t'as véritablement un effet bénéfique supplémentaire en consommant quelque chose de complet, par exemple du pain complet au lieu du pain blanc, ou du riz complet au lieu du riz blanc? Et probablement que non, mais à tester. Par exemple si tu prends deux riz de bonne qualité, puis globalement c'est à peu près la même chose, probablement que... Pour la plupart des gens, le fait de consommer blanc dans un repas où il y a plein d'autres choses, ça va être largement suffisant, spécialement pour les personnes qui sont physiquement actives. Donc comme on donne ce genre de conseils dans le cadre d'un programme pour des personnes qui vont faire le programme, donc être physiquement actives, il n'y a a priori pas de raison de, pour soi-disant un index glycémique qui a quasiment pas changé, prendre du riz complet par rapport au ratio risque-bénéfice. Ça va plus avoir de problèmes au niveau des micronutriments qu'on va plus pouvoir garder que par rapport à un avantage de ça cale bien, etc. Par rapport aux antinutriments aussi ? Par rapport aux antinutriments, là c'est le fameux acide phytique, ouais, tout à fait. Okay. Bah, bon, c'est un des multiples antinutriments, il y a toute une liste, mais c'est ça à garder en tête. Quel est cet homme ? Je sais pas, c'est marqué dessus, Salon Fitness. Efficiencia, c'est quoi ça ? C'est un ça produit Herbaflux encore ? Je sais pas, sur mon arnaque, elle est pas. Commercialement, je suis Ladies and gentlemen, welcome to the second day. On est au Salon du Fitness à Lyon, comme tu l'as vu hier. Enfin, toi, c'était il y a quelques minutes. On attaque beaucoup de trucs. Là, il y a le meet-up des familles avec Demoiselle Douce-Fève qui est juste là, qui se fait équiper par TF1. Il risque d'y avoir des gens de la Team Balèze, des gens de la Phoenix Army, et puis une petite conférence des familles encore juste après. Donc, on t'emmène. On a même du monde qui vient de fitness par la base. Oh, comment ça va? Ah oui. Tu vas quoi? Putain, brother. En plus, je voulais savoir où t'étais. Ça va, frérot? Beaucoup de monde. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment un baby salon du fitness parisien. Je pense qu'on déclare ce meet-up officiellement open. Team Balèze, Phoenix Army, bien le bonjour. Merci à tous d'être venus. Merci, c'est cool. Ça fait chaud au cœur de voir des petites têtes. On voit souvent des likes derrière nos écrans, des petits commentaires, des comptes Insta, mais de voir des vrais gens, c'est quand même un peu mieux. Qu'on est à vous bah, durant toute la durée de ce salon, si vous voulez nous dire plein de trucs, nous parler de vos soucis, prendre des photos, faire plein de trucs qu'on est là. Soyez patients. Qui osera les premiers? Ah, voilà, ça c'est les Phoenix. Ça pousse depuis... Travaille un petit peu. Ouais, ça fait deux ans. Deux ans? Ouais. Si, c'est vrai. Non, mais j'avais une... Regarde, je suis comme toi, regarde. T'as vu? Ça va. Attends, il y a des petites têtes qui s'imposent. Salut tout le monde. Oui, c'est normal. Plein de gens veulent faire des photos avec moi, ils me kiffent trop. Team Balèze, vous pouvez venir me voir. Qui me fera toujours rire, c'est que officiellement, genre je suis pas encore diplômé, parce que ça fait 4 ans que je suis en deux ce métier de la forme. Là j'ai fait une dérogation pour revalider mon fitness. C'est la seule épreuve qui me manque en fait, tu sais, fitness c'est les épreuves de cours collectifs. Et aux yeux de beaucoup de gens, genre je suis pas diplômé, je suis une merde, tu vois. À côté bah, j'ai validé un autre diplôme, j'ai validé Bayesian Bodybuilding d'Antoine Fonbonne. Mon trou du cul. Antoine est celui qui a importé la formation en France. Mais nous, Enselman, on est le créateur. Pouvoir exercer un petit peu en ligne, ça pourra sourire à quel point pour les gens, la crédibilité d'un diplôme, c'est genre le truc le plus important. Et Will, donc mon associé sur Beyond Fitness, est le premier à en parler. Genre, mec, il a 2 masters et demi différents, plus plein de diplômes post-grad et tout. C'est le premier à dire que les diplômes, ça sert à rien, tu vois. Ça me fait super plaisir de voir juste qu'on peut créer plein de choses sans forcément être diplômé, sans forcément être reconnu, même si les gens autour de toi vont te clasher de, je sais pas, d'incompétent, de merde, de gars tout simplement pas diplômé. Bah, derrière, il y en a qui créent des choses, il y en a qui apportent de la valeur, il y en a qui avancent tout simplement, pendant qu'il y en a qui hate derrière des vidéos YouTube par exemple, ou en vrai tout simplement. Ça fait plaisir de voir que, bah, qu'on est
n'est pas obligé de respecter les normes pour avancer, tout simplement. Je sais pas ce que t'en penses toi, t'as le droit de me le dire dans les coms, mais moi ça me fait plaisir. Attends, avant de t'enfuir vers d'autres cieux, tranquille, je te vois venir, pose ton petit pouce bleu, pose ton petit com, et dis-moi si ce petit vlog des familles t'aura fait plaisir. Voilà, hasta la vista, ciao.